du tout. Ah bah non, c'est bien qu'il y ait une raison pour laquelle on a grandi. Moment où je me suis dit, vraiment, j'y pense vraiment, avec toute notre organisation familiale, ah. Et pour moi, j'ai mais clairement dit, je pense vraiment d'être un papa meilleur pour un enfant qui est pour plusieurs. Il n'y a pas de canapé, écoutez. Bon, Justin, vous avez tout suivi. À moitié. Alors vous, vous avez vous-même c'est ça. Quelle relation vous avez aujourd'hui avec elle? Vous êtes du pot de colle. De très bonnes relations. Alors, avec les trois? Avec les trois, ouais. Vous les appelez comment? Alors maman, chacune. Maman, chacun? Non, Marie, enfin, ma troisième maman, ma belle-mère entre guillemets, s'appelle Marie. Mais après sinon, j'ai toujours appelé mes deux, enfin maman, maman. Alors, est-ce que vous pouvez me résumer l'histoire de ces trois femmes? Donc, du coup, en fait, je suis née d'une insémination artificielle en 2001. Donc, c'était déjà 9 ans avant que je sois née ensemble. Et bon, elles ont décidé d'avoir un enfant.